Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue donc dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout 3. Et ce sera donc le quatrième épisode. Donc le quatrième épisode qui est toujours consacré à la montée en puissance de notre personnage avec les quêtes. Par ailleurs, voilà, je m'excuse pour le dernier épisode puisque j'avais tenté, j'espère que ça marchera mieux cette fois-ci avec Audacity. Et n'ayant pas un double écran, la gestion du lancement d'Audacity, etc. où j'ai eu quelques difficultés, ce qui a provoqué un décalage en fait lors de la montée, lors du montage du film. Et voilà, donc merci de m'en avoir averti. Quand j'avais écouté une première fois, ça semblait pas aussi dérangeant. Mais avec la mise en place sur YouTube, il y a dû y avoir un petit décalage dans les bandes. Voilà, je m'en excuse par ailleurs et j'espère que cet épisode sera beaucoup plus clair pour vous et plus agréable. Voilà, heureusement il n'y avait pas trop de parlotte, on a surtout tué des gens. Donc dans cet épisode, ce que nous allons faire, je vais pas aller tout de suite. Alors ça, je comprends toujours pas pourquoi je l'ai pas validé. Je vais y retourner pour voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent encore. Je vais faire Survivre Terre, désolé, la deuxième mission opérationnelle et certainement Lien du Sang, afin de se balader un peu plus en profondeur dans la région. Donc on va vérifier qu'on n'ait rien zappé, qu'il n'avait pas qu'une seule... Ah merde, c'est pas ici. Oups, désolé. Et qu'il n'avait pas qu'une seule planque. Puis je vais oublier dans le sac. Quels sont les besoins ? Spécial cuillère, iguane, machin. Bon, bah écoutez, ouais, je vois pas pourquoi. Bref, bon, si je le retrouve, je discuterai avec lui parce que là tout est bien vide. Qu'est-ce que vous... Hein? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous réparés, donc ça oui. Eh bien ça alors. Donc ça c'est le cas pour ouais, c'est le dernier truc quoi. Bien, les choses devraient s'améliorer. Ouais, ces pièces permettront d'alimenter la ville en eau propre. Dès que vous en aurez, revenez me voir. Ah bah c'est cool. Ça nous fait monter de niveau en direct. Aménager, il faudra les faire monter un petit peu quand même. Et bon, pour l'instant, on va continuer à monter ça parce que c'est mes armes prioritaires. J'ai un petit fusil, mais... donc on va augmenter également la science, augmenter la réparation, évidemment la médecine. Je vais baisser un peu là, je vais augmenter. Voilà. Donc ça c'est ce que j'adore, donc hop je monte ça en priorité. Donc esprit vif, compréhension, âme d'enfant, éducation. Et bah hop, allons pour l'éducation. Ça me frappe plus vite certaines compétences, ça c'est très bien. Très bien, très bien, et bah écoutez, on va continuer. Un peu d'argent, est-ce que je me suis bien vidé les sacs? J'en suis à combien? 159, j'ai pas mal d'armes. Couteau, on va gagner un point. Ok, et bah c'est parti. Allons désarmer de la minefrag. Une fois de façon je repasserai après carte tac, carte du monde,
survivre aux terres désolées. Là, si on la joue stratégique, là, ça me fait ça pour revenir là. Là je peux traverser et aller là-bas. Ouais, je vais plutôt aller faire le message. Ah, arrive. Je passerai à côté de l'école, ce sera l'occasion de voir un peu, de s'y arrêter, voir ce qui s'y passe. Télécharger, entre téléporter plutôt sur sur la ville. Tout à fait. Springvale, dire Springfield, je suis en train de chercher en fait le nom de la ville. Ah, ça j'ai pas fouillé. Ah si, de la bière, mais bon. On va pas s'encombrer inutilement. J'ai découvert plein d'endroits où vous pouvez. Oui, mais ça j'avais déjà vu. Oui. Ah, c'est l'école de Springvale. Oh, putain, il y a du monde. Ah, oh, il y a du pillard. On va les nettoyer un petit peu dans ce cas-là. Ça bouge. C'est bien. C'est bien. Ah ouais, quand même. C'est un peu glauque. Allez, ça coule encore. Je sais pas ce qu'ils font ici, mais... supérieur. Oh bah toi en pleine tête. Ah merde, tiens, j'ai même pas pensé à... Ouais, j'avais la classe quand même. Mais hop, parce que à mon avis c'est un peu costaud. Faut pas que j'oublie. Moi, je pense que le discours va pas me servir à grand chose contre eux. Pareil, je les prends pas, ça prend beaucoup de poids. Beaucoup de poids pour pas grand chose. Et en plus avec le système de téléportation rapide, je peux revenir les piller et me faire de l'argent. Mais à Megaton, ils sont pas très riches. Donc du coup, bah ça me sert à pas grand chose, à moins de les stocker. Mais... Ça par contre, tout ça, du stuff et tout ça, ça m'intéresse bien. Ah, il n'y a pas de lampe. Ah, je pense que c'était un fou. Pistolet de peinture. Hop, bon, je sens que je vais devoir retourner. On continue plus loin. Le vider les sacs A, B, C, D. Ah, c'est bien, ils ont appris à écrire. Okay. Et il doit être en haut là. Réabloquer. Comme si quelqu'un s'y est quelque chose. Plusieurs couloirs, ouais, c'est une école, peut-être une école à l'américaine, plusieurs couloirs. C'est clean. Petit livre détruit, une casserole en métal. J'essaie d'écouter au passage. J'entends des bruits en fait, des bruits de pas, donc je suis resté sur mes gardes. Quelqu'un, on entend bien en fait. C'est assez stressant parce qu'on définit pas trop d'où ça vient, si c'est un bruit au-dessus ou pas. Première vue, ils ont l'air d'être au-dessus. On a peur, comme une petite garce. Comment il parle mal, une petite garce. J'ai rien peur du tout. Je suis juste prudent. On a peur, comme une petite garce. Oh, il a un wall hack à travers le mur. Oh fuck.
C'est quoi cette merde? Non, faut pas que je fasse ça parce que là je vais être en position. Merde. Tout le son est droit. Parce que là après, je fais de la mobilité contre cette merde. Ah, tu le fais faire. Ça va être une base de rider ici en fait. Première vue, ça porte rien. Là par contre j'entends à gauche. Enfin à droite. Juste fermer la porte. Ça si elle s'ouvre, je sais que ça viendra de là. C'est vide. Ici est-ce qu'il y a quelqu'un? Là non, il n'y a personne. Non plus, ok. Hop. Comme si une béquille. Je sais pas si ça me sert à quelque chose, c'est une arme. Mais bon, faut nettoyer toute cette merde, les terres des zones. Oh putain, elle est là. Pareil au cac, on n'a pas le fait. Oh, t'as une costume. Il n'y a pas trop de headshot, mais. Mais ouais, surtout pas le fève, enfin le système au corps à corps avec des unités mobiles, tout simplement parce qu'en fait vous avez beau tirer au ralenti, le gars il est quand même beaucoup plus vif. Se prendre des risques quand même pour pas grand chose. Surtout que même vous pouvez quand même être assez mobile pour pouvoir l'éliminer rapidement quoi. C'est quand même pas des foudres de guerre, un petit couteau comme ça. Là. Ici, sur la droite, il y a quelque chose qui a bougé. Putain, je le savais en plus. La recharge. C'est le moment de taper. Je pense que je l'avais déjà dit, hein, mais viser les bras. Le meilleur moment, je trouve que. Le meilleur moment pour utiliser le FEV, en fait, c'est clairement quand ils sont en mode recharge. Et surtout, pensez à viser les. Oh putain, c'était un peu boucherie ici. À droite. Pas encore, c'est ça que bruit. Faut surtout, voilà, pensez à viser les. On a peur. Comme les parties. Parties un peu sensibles comme les armes, enfin les bras, etc. Ça vous permet d'avoir un peu plus, s'ils perdent d'autant plus leur arme, de pouvoir cibler correctement. Okay, c'est comme ça que je la joue. J'ai tout fait. N'importe quoi. Allez, viens me battre. Donc là, c'est l'entrée. Okay. Oh, il y a quand même 2-3 trucs sympas à récupérer ici. C'est la cuisine. Tu pourrais plein de trucs, c'est cool. Grand lit, gros lit. C'est quoi ça? Auto-cuiseur, ça va me servir à faire des bombes à retardement peut-être. Steam pack, ok, tout ça on peut prendre, c'est intéressant. Ok, on arrête les conneries, qui est là? En même temps ça tombe. Pas forcément avoir des grands lecteurs ici, donc de pas trouver de livres, disons que ça me choque pas. Bon, c'est toujours l'autre qui parle depuis tout à l'heure, je sais pas où il est. Comme là, il doit vraiment être au niveau au-dessus. Donc on va aller s'en occuper, parce qu'il parle beaucoup, donc. Pas fatiguant. Donc le prochain étage doit être assez chargé. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, plus ou moins, avec deux personnes sur les toits. Qui est là? Oh, ils sont extérieurs. Crève, crève, crève. Il va arriver normalement.
entrée. C'est quoi cette merde? Ah, c'était bien physique même si j'ai plus ou moins senti avec les coups. Là par contre, on va switcher. On va prendre des sauts chinois. Après, il se cache comme une petite fiotte. Merde, j'ai pris une mine frag. Oh, des fois, faut éviter de faire les fous. Prendre un peu de ça. Un peu de ragoût d'écureuil. Peu de pâte. Bon, ça a pas fait ce que je voulais. Arme, on va reprendre le fusil d'assaut chinois. On va nettoyer un peu la zone. Je peux prendre le sinistre de bataille. Ça c'est réglé. Après j'ai une dispersion assez énorme quand même. Moi j'utilise vraiment à bon escient. Mes munitions. L'autre, je pense que je peux le finir avec ça. Moi qui ai déjà été tué avec la. Il a l'air déjà mort. Je sais pas, j'ai une cible ici, mais. On verra plus tard. Continuons, continuons, continuons. De l'eau sale, de l'eau sale. Oh, c'est quand même la caverne d'Alibaba ici, c'est cool. Sous merde! On dégage, c'est moi qui. On y va. Oh putain. Ça fait peur. Ah, c'est bien ce que j'avais entendu le fusil à canon aussi. Ah cool. C'est bien ce que j'avais entendu. Peut-être pas loin, mais j'arrivais pas à le voir. Capsule. De l'eau sale, il y a peut-être moyen de la rendre propre. Hein. C'est jamais les mystères de la vie. Boîte en métal, argent d'abord. Très bien. Attends, c'est sympa quand même la déco ici. Moi j'aime bien. Ils ont un goût assez sympathique. On va juste vérifier qu'il peut y avoir même des bouquins à peu près potables dans tout ce bordel. À première vue, le peu qu'il y avait. Qui avait pris un peu cher. Ok, bon bah tant pis, il n'y a rien. J'ai plus le temps de fouiller. Okay, c'est vide. Bon, très bien, on peut continuer. Toujours quel signe. Allez, clé du sous-sol, c'est parfait. Journal d'extraction, ça c'est cool. Ah, c'est ça que j'adore, c'est de trouver ce genre de petits trucs sympas. Donc là, ok, là on descend. Donc on va pas aller là pour le moment. Un couteau, très bien. Parfait, c'est un petit bouquin. Donc je aide. C'était quoi? À couvert, la discrétion là. Explosif. Ah. Interminable. Ah bah, en plus, j'ai pas besoin de code. Entrée de journal numéro 1. Utilisateur suck me. Bopo a crevé comme un chien. C'était pas une mauvaise idée du tout de s'installer ici. Ça roulait bien pour nous. On s'occupait des caravanes et des marchands sur la route de Megaton. Mais c'était stupide de vouloir attaquer la ville. Cet abruti a bien mérité la balle que Sims lui a mis dans la tête. De toute façon, on peut faire beaucoup mieux ici. C'est dans cet abri qu'il faut qu'on essaie d'entrer. Pas cette ville de merde. Si on arrive à pénétrer là-dedans, on sera reçu. On sera repu pour le restant de nos jours. Entrée de journal numéro 2.
Des jaunes en avaient marre de creuser le tunnel, alors ils ont utilisé des mines pour atteindre les grottes. Une bonne idée, si ce n'est que les explosions ont presque soufflé la baraque. Maintenant on a une fenêtre ou deux de plus sur le côté. Je vais envoyer des gars sur une caravane pour récupérer des explosifs, mais il faudra y aller doux. Sinon des trous du cul de mégatonne pourraient se ramener. Qu'est-ce qui branle ici? On a tapé en plein dans une fourmilière dans le tunnel. Ces salopes ont bouffé 7 de nos meilleurs mineurs avant qu'on puisse bloquer le passage. Il faut qu'on mette la main sur du poison pour continuer à creuser et pénétrer dans l'abri. Si on n'y arrive pas, bientôt je crois que je vais finir comme Bopo. Sauf que c'est pas le shérif qui me butera, mais mes propres hommes. C'est bon ça, utilisateur Suck Me. Mais écoute, j'ai fait le taf. Ok, donc ils étaient en train de préparer une attaque sur l'abri. C'est en train de préparer une attaque sur l'abri, les coquins. Mais ils sont tombés sur une fourmilière géante. Intéressant. Oh, un crâne. Très bien, très bien, très bien. Mais du coup, j'ai bien envie d'aller voir de l'autre côté. J'y suis pas allé. Avant de descendre dans le sous-sol, ouais, il y a aussi la bibliothèque. Ça se tente. Banzai! On est dans le champ inverse. Banzai! Parfait! Sachant que le Nuka Cola. C'est quoi déjà le Nuka Cola Quantum? Plus 9, mais puissance d'attaque plus. Ce qui est pas dégueulasse quand on est un peu dans la merde. Bon, bah très bien, continuons. On m'a dit qu'on allait descendre. On allait descendre, on ne va pas descendre en bas puisqu'il est difficile de descendre en haut. Comme on l'a déjà fait remarquer. C'est quoi ça, mon lit ? Je peux dormir. Je peux dormir 2 heures. Ah, c'est un truc totalement RP. Juste pour prendre de la vie. J'aurais pu me faire buter dans mon sommeil. Ok, là je suis dans le niveau inférieur. Donc finalement, voilà. Ça va être les fourmis là, je pense. C'est un peu la magie de ce jeu, c'est qu'on est parti sur un objectif et puis hop, on se retrouve un peu à dévaguer à droite à gauche. Oh putain. Ouh, ça a piqué un petit peu. Là, ça me ramène où? Ça me ramène, je pense, au deuxième étage. Ok, je repasserai par là plus tard. Au deuxième étage, il y avait 2 entrées possibles pour monter et je pense que ça va être la deuxième. Bah si. Et si, je suis désolé, mais tu es mort. Oh, puis une queue de billard là, de me tuer. Non, ouais, faut arrêter quand même encore. Okay, on continue. Voilà, voilà. Ah, première vue, il y en a un qui m'attendrait ici. Voilà. On y va. Recharge. Et le tuyau plomb. C'est pas encore ça. On va travailler un peu la maîtrise de la technique. On va continuer à avancer. Pouf. Je vais être un peu juste en place, j'ai l'impression. C'est quand même vraiment pas mal ici. Ça va mériter de revenir, je pense, une autre fois, puisque je vais être un peu juste, je pense. Vide, microscope. Non, moi, on fait vraiment le plein de. Ah, ça y est, je suis trop lourd. Je suis trop lourd. Qu'est-ce que j'ai comme truc que je pourrais jeter? Gagner un petit peu en arme.
Non, c'est comme ça qu'il faut jouer en fait. Comme vous êtes un peu charrette en termes de place, vous avez récupéré pas mal d'armes. C'est clairement de les réparer. Ça ne mange pas de pain. Voilà, on gagne à peu près, on gagne un petit peu quand même. Bon, je prends le pistolet chinois, mais je prends le pistolet 10. 10 mm. C'est mieux. Oui, pistolet laser, mais une compétence en laser. Hein. Ce serait de l'inefficacité totale. Donc là, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Il y a plein de... C'est de l'eau sale. Je sais pas si mon assainisseur peut, on va s'en occuper. Donc je vérifie. Débloquer un truc. Ah, ça doit être là où il va y avoir les... Il va y avoir les fourmis en fait. Ils ont dû bloquer comme les fourmis, c'était pour ouvrir les portes. Encore moins les portes fermées à clé. C'est vrai que c'était plutôt bien pensé. Donc ça va falloir que j'aille ici. Ça tableau devrait être des fourmis à les tuer, non? Ok, donc ça, ça sera la deuxième étape, j'ai envie de dire. D'abord. On va aller voir ce qui se passe. On va finir avec les Riders. On va refaire un aller-retour. On va faire l'épisode du coup, en plusieurs épisodes. Ah, je crois qu'ils sont là. Okay, là. Je suis à l'extérieur. Là, je vais prendre cher ma race parce que je me suis fait niquer comme un bleu. Je suis à combien? 75. Peut-être à 90. J'attends parce que là je suis quand même pas trop mal, elle a une arme qui est pas terrible. Ah merde, putain, en plus j'ai pas mis les bons. J'ai dû... Ah il t'a l'air. Je prends cher partout. Tu peux me laisser fumer à l'étage. Il y a une arme à chier apparemment. À chaque fois. On va pouvoir switcher à 32, je pense. Ouais. Bah, y a beaucoup de personnes qui tentent toujours de faire des HS. Ah, c'est toujours classe, hein, mais parfois, tirer dans les jambes, ça peut être efficace. Donc là, ce petit pistolet est pas dégueulasse. Alors pourquoi est-ce qu'il est pas dégueulasse? Oui, je suis où? Merde, en fait, on pouvait faire le tour apparemment. Il est pas trop dégueulasse puisqu'il a une cadence de tir qui est assez élevée, mine de rien. Oh oui, alors ça. Cadence de tir qui est vraiment sympa. Et donc, on peut compenser, on va dire, le fait qu'il n'ait pas de dégâts de base très élevés par une cadence de tir plus importante. Ça c'est bon, ça c'est bon, pouf pouf pouf. Là y'a rien. On ira des trucs à les fouiller. Ouais, ils étaient bien installés quand même les Riders. Hein. De l'eau sale, pistolet 32, munition. Là je suis en extérieur donc ça devrait aller vite pour rentrer. Je fais un petit coup de transfert rapide, je me vide les sacs. Et puis du coup cet épisode, bah, je pense qu'on va le focaliser sur le nettoyage de l'école. Et puis on fera ce qu'on avait prévu dans le prochain, ou en fonction de la durée, je verrai si je si j'intègre une partie de ce que je voulais faire initialement. C'est vrai que c'est un peu parti en sucette. Là, y a rien. Y a rien à gratter ici. Bien vu. Porte monte à Springfield. Ok, bon, j'ai fouillé quasi en bas. Donc, il y avait deux entrées possibles, je vais la reprendre, je vais prendre celle de haut. Hop. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Vide, vide, vide. Les boîtes. Ah. De la farine.
pas quoi ça peut servir à faire une craft, mais apparemment. Respirateur, c'est un peu trop chaud. Respirateur est un peu trop chaud. À moins de prendre de la bière. Je peux prendre de la bière, ça me met de la force, ça me fait baisser ma tête, mais j'ai pas l'air d'en avoir trop besoin ici. Pof, 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 pof. Si je peux réparer ça. Toujours pas. Gagne un peu, gagne 6. Ouais, ça passera pas. Ici j'en ai un peu trop besoin. Pam 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 pam. C'est une mission, ça prend pas de place. On va virer la bande de cafards. C'est pas trop grave. Ça, je pourrais en retrouver un paquet. Ça, je pourrais en retrouver un paquet, ok. Donc, oui, s'asseoir maintenant. Moi, j'aurais pu prendre de la bière. En vrai. Je pense qu'elle me sera utile pour autre chose par la suite. Respirateur, je pourrais en prendre deux. Là, je vais prendre ça, et puis si jamais j'en ai besoin, je reviendrai ici quoi. Ok. Canon et Coca-Cola. Bon, ça rapporte un, ça m'intéresse. Pas de masse. Ok. Écoutez ce qu'on va faire, on va remonter en haut. Et on va s'occuper. Ici, il me reste encore la bibliothèque. Hein. J'ai pas, j'ai la clé de la bibliothèque, mais j'y suis pas allé encore. Ouais, là, j'y suis. Ok, là, je suis déjà venu ici. J'ai nettoyé. Ok, je vois où je suis. Très bien, très bien, très bien. Je serais pas dire quand même, mais je crois qu'il y a une deuxième possibilité de monter. J'ai pas pris ça. Ici. Non, pas là. Ah, j'ai peut-être rêvé. Du coup, il y a peut-être qu'une seule possibilité. Par contre, j'ai une clé de bibliothèque. Je sais pas quoi elle sert. Ah, si, c'est là. C'est là où je pouvais descendre et non pas monter. D'accord, ok. Là, j'arrivais là. Ok, très bien. Bon, bah, parfait. Donc là, tout est nettoyé ici. C'est pas mieux. Non, c'est pas sorti. Ok, c'est... Eh bah parfait. Ce qu'on va faire, donc moi je vais faire une petite ellipse rapidement pour sortir, me vider un peu les sacs là, remettre tout ça où il faut. Puis on se retrouve pour nettoyer la fourmilière. Allez, je vous dis à tout de suite. Et nous revoici donc devant l'antre des fourmis. Donc je me suis bien vidé les sacs, j'ai racheté un peu de munitions au passage. Et je pense qu'on est prêt à y aller. Oh, tiens. Et on va essayer de voir un peu dans quoi ils ont tapé ces abrutis. Effectivement. Il y a de la fourmi. On l'entend. Ça par contre vient de fourmi, je vais prendre. Et on va se faire de l'XP facile quoi. D'ailleurs, je pense que je vais pas utiliser cette arme là pour ici. Je prends le pistolet chinois qui sera très bien adapté. Est-ce qu'il y a... pas très loin. On recharge un peu long. Définitivement pas mon arme préférée, mais bon, parfois. Il me reste une balle. C'est toi ou moi. Ah, ça sera moi. Ok, là il me reste
C'est qui le patron? Bien comme ça on peut switcher d'armes un peu. Tête a pris, la tête a pris. Notre probation. Pas des champignons radioactifs. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Non, on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve un peu ici? Ah! En haut. Donc ça, ce sont les fourmis. Alors là, il y en a trois qui arrivent. Normalement, alors ce qu'on va faire, trois petites fourmis, ça, on n'est pas con non plus, hein. Oh, 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 c'est magnifique, avec un petit ricochet. Et puis elle, on va la finir. Voilà. Bon, honnêtement, vu ce qui est arrivé, si vous voyez cette vidéo et vous jouez au jeu, n'hésitez pas à poser une petite mini frag, à mon avis. Ce sera un peu mieux, parce que là, les grenades ont un peu rebondi à droite à gauche. Vu la caractéristique du terrain. Mais bon. On va pas se plaindre. D'ailleurs, j'ai pas lu le. Ah, la bouffe. C'est dégueulasse. D'ailleurs, on a pas lu le petit descriptif. On le ferait voir tout à l'heure. Ah, c'est un habitant des terres désolées. Ah, par contre, je vais ton livre, ça me dérange pas. Ah, c'est l'armée chinoise encore. Décidément, ils sont partout, ces Chinois. Hop, on va la prendre tout de suite. Discrétion plus 1. Psycho. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. C'était des mineurs, ça? On peut fouiller les œufs et tout. C'est cool, ça. Putain, il y a un paquet de quand même. On peut les brûler. Bûcher! Bien mangé. Comme quoi, faut toujours penser à fouiller un peu partout. Ok. Est-ce que moi je peux monter? Apparemment, je ne peux pas monter. Mais même si on ne peut juger un petit peu ici. Non, je ne peux pas monter. Très bien. Donc c'était un cul-de-sac. J'allais même dire c'était peut-être un piège. Donc il faut prendre la seconde entrée. Enfin, la seconde voie plutôt. Donc c'est quand même sympa, enfin moi j'aime bien le style. L'étage de planche de bois qui est sympa également. Merde. Bah non, ça peut pas se passer comme ça quand même. Ce serait de la déception totale. Comment ça je peux pas monter? Pas m'allonger non plus. C'est quoi ce beans? Ok, donc en fait c'était juste un fucking piège quoi. T'entends du train jump de la mort qui tue, ça marche pas. Pas une espèce de rebord. Que dalle. Oh, je suis dégoûté. La frustration totale. Ah ah ah. Ça va pas savoir hein, si ça passe là. Ouais, à mon avis. Que je pouvais pas y aller. Et vous essayez de
il va dire un truc hein. S'il vous plaît. Bon bah tant pis. C'est con ça. Je peux pas le prendre. Donc c'était un piège, très bien. Bon bah. Moi on aura nettoyé les fourmis. Ouais, je suis un peu dégoûté. Ouais. Bon bah écoutez. Du coup ça va nous permettre d'avancer un peu plus dans notre quête. Bah écoutez, maintenant que ceci est fait, donc on va pouvoir continuer notre péripétie. Donc c'est par ici. On va éviter de se balader près de l'eau parce qu'à mon avis il doit avoir une sale gueule. Probablement contaminé comme il faut. C'est quand même bien sympa. Donc restez concentrés sur ce qui se passe sur la route. Là on a quand même un long chemin. Non bah tiens. Je saute pas les salauds. Ah ah ninja. Putain ça va vite cette merde. Dans les autres Fallout ça allait pas aussi vite. Hein. Oh merde il y en a un autre non. Putain ça se balade en meute en plus. Ça va. Shérif! Fuck! Ah! C'est pas beau! Pom 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 pom! Qu'est-ce que j'ai avec des munitions? Un pistolet 10? Ah merde, j'ai pas de pistolet! Un pistolet chinois, il prend 10. Putain, je suis con. Allez, on tente! On tente! On va s'amuser un peu! Ça pique un peu. J'ai pas mal de cellules. Mais bon. On va le garder un peu comme un. Ouais, c'est ça. Comme un pistolet bis. On va se reposer un peu parce que j'ai pris un peu cher là quand même. Il faudra faire gaffe. Oh merde, je vais même pas. Ah. Faut pas attendre que je vais faire me reposer. Du coup, on va se guérir quand même un peu. Combien je suis en mini? Un petit Nicacola. En plus, je gagne de l'argent, c'est top. Et on va continuer notre route. J'utilise très peu les Steam Packs. Je considère qu'ils me seront beaucoup plus utiles lors de gros fights. Et surtout avec ma compétence médecine. Donc là, comme c'est assez calme, autant l'utiliser pour. D'ailleurs, je devrais voir. Pour l'assainisseur aussi, comment l'utiliser. Plus tard, je ferai un off pour me concentrer là-dessus. Là, il y a une petite maison. Voilà, c'est Springvale. Ouais, je retourne à Springvale, ça, je l'ai déjà fait. Ok. Là-haut, il y a l'air d'y avoir des constructions. Des constructions sur le pont, ce qui est pas con. Ah, ça se voit ici, là, une espèce de pont. Ce qui en soit pas trop bête. Ok. Par ici. Mon iPod là-bas. Ah, j'en profite parce que je suis dans le coin, s'il n'y a pas des trucs intéressants. C'est quand même bien désertique, là il y a d'avoir 2-3 trucs. Oh, parce que vous avez entendu une explosion. Au loin.
Là, il y a un râteau qui court. C'est quand même vraiment sympa quoi. Toute l'ambiance et tout. C'est comparé à moi quand même. La première vue c'est non. Essayez d'aller faire un tour là-bas. Ah là il y a un village ici. Bon, ça fera un point sur la carte si jamais je dois revenir, ça sera pas mal. On va aller voir ce qu'il y a. Alors c'est vrai qu'il est possible de mettre la radio dans le jeu. Je la mets pas parce qu'en fait, ce qui est un peu chiant maintenant sur YouTube, c'est que dès qu'il reconnaît une chanson et si vous parlez pas dessus pour brouiller un peu les pistes, eh bah ils vous font chier avec les droits d'auteur et tout ça, et du coup ça peut mettre du temps pour valider la comment dire la vidéo. Ça peut même complètement vous faire virer votre compte puisqu'ils considèrent si vous faites une réclamation en disant que non, j'utilisais pas le truc, blablabla. Bah ça peut arriver jusqu'à bloquer votre compte, donc du coup j'essaye au maximum d'éviter, notamment quand il y a des blancs comme ça. Après une musique de fond sympathique, ouais pourquoi pas, mais là ça serait vraiment de la vraie musique, on va dire, enfin, de la vraie musique en fait, assez facilement reconnaissable, donc on évite de prendre le risque. Je pile les boîtes aux lettres, j'ai une béquille dans une boîte aux lettres quand même. Pas mal. Ouais, toutes les maisons sont condamnées ici. J'ai juste fouillé les boîtes aux lettres et les tondeuses à gazon. On va faire un truc sympa avec des lames de tondeuses à gazon. Petite voiture. Qu'est-ce que je vais faire avec des petites voitures? Par attirer les petits enfants. Ok. Non, il y a rien. Mais il y a d'avoir un camp quand même. Hein. Il y a qu'ils ont volontairement abandonné ça, toute leur maison aux alentours pour se regrouper en un seul et même lieu. Pas forcément débile. Hein. On va faire un peu le tour. C'est vide. On va rentrer par en dessous. Ça c'est fermé. Enfin c'est fermé, c'est vide plutôt. C'est un petit air, un jeu pour les gosses. Non, ça bouge pas. Bon bah écoutez, on va essayer de pénétrer dans le village, voir un peu ce qu'il se dit. Mais là il n'y a pas d'entrée en fait. Ah si, il est top. Putain. Il y a quelqu'un. Ah si, il est de l'autre côté. Bon. Vous êtes qui, vous? Je ne vous veux aucun mal, je me balade, c'est tout. D'accord, qu'est-ce que vous voulez? Pas de soucis, pas de mal. Oh, je ne sais pas, je pensais allumer quelques incendies et tuer tout le monde. D'un coup d'œil, pas de soucis. Eh bien, on n'est jamais trop prudent. Le point n'est pas sûr. Des super mutants ont attaqué il n'y a pas longtemps et emmené plusieurs de nos amis. Entrez. Mais pas d'embrouille, d'accord? Ok. Eh bien, écoutez, on va rentrer.